Bonjour, chers auditeurs de Iweb Radio et bienvenue dans votre émission Mémoire du peuple, un peuple, une culture. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture politique de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et tous les membres de son parti politique sont écartés de la compétition électorale de 2023. Son parti politique n'est pas repris dans la liste transmise à la CENI. Donc, par conséquent, ce parti politique, cher à Jean-Marc Abound, n'a pas aligné les candidats, n'est-ce pas, à la députation nationale et provinciale. Mais nous allons en parler au cours de cette émission. Mais aussi, euh, l'arrestation de Jean-Marc Abound près d'une année déjà, depuis qu'il est jeté, dans la prison de Makala, la plus grande prison de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaire dans cette émission, Mémoire du Peuple, qui reçoit pour vous Monsieur Mange Ndaya, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour beaucoup. Bonjour, Monsieur Gilbert. Bienvenue à toi. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Ce n'est pas votre première fois de participer. Vous êtes un habitué de chez nous. Nous sommes très contents de vous recevoir de nouveau sur ces plateaux aujourd'hui pour parler, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de Jean-Marc Kabound et son parti politique. Vous êtes définitivement écarté de la compétition électorale pour la simple raison que votre parti politique n'est pas repris dans la liste transmise par le ministère de l'Intérieur à la CENI. Qu'est-ce que vous comptez faire après euh, que la CENI euh, vous refuse de compétir euh, Merci beaucoup, M. Gilbert, pour l'occasion que vous nous donnez en tant qu'Alliance pour le changement d'essayer un mmh. peu d'expliquer euh, de vraies versions sur notre dossier à ce qui concerne la, la mise à l'écart de l'Alliance pour le changement. Mmh. Euh, avant, essayer un peu de d'apporter ma ma réponse à ce qui concerne tout en explicitant cet embryo de Westam, euh, il est nécessaire ici de rappeler que la liste que le ministère de l'Intérieur a transmise au sein, à la CNI à la Commission nationale indépendante et c'est une liste discriminatoire. Pourquoi discriminatoire Parce qu'elle s'est décidée de toutes ses intentions de mettre à l'écart l'Alliance pour le Changement, une formation politique qui, est, qui fonctionne depuis plus d'une année et qui a des fédérations qui s'est déjà installée et de le mettre à l'écart, c'est voilà pourquoi nous sommes entrés dans de dire que c'est une liste discriminatoire, mm. parce que tout au départ, l'Alliance pour le changement n'a pas manqué de ses droits, de remplir les droits d'exister à que formation politique en République démocratique du Congo en se basant sur des critères, en se basant sur la loi. Et nous, avec le président Jabba Kaboun, on a passé lettre par lettre en respectant des procédures, en respectant la loi, en respectant tout toutes les procédures possibles pour qu'on puisse exister comme formation politique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Vous dites que vous avez respecté toutes les procé euh, la procédure, voilà. Euh, vous avez fait concrètement quoi euh, ce qu'on a fait, premièrement, et qu'on s'est enregistré au niveau mmh. du ministère intérieur, on a rempli des critères, on a payé notre caution de celle De 10 000 dollars. 10 000 dollars. Mmh. À part ça, d'autres formalités administratives, on a on a essayé un peu de dépenser 5 000 dollars. Donc, ce qu'il mmh. nous faut, 15 000 dollars, on a notre statique notarié, on mmh. a des récépissés, on a des accusés de réception venant du ministère de l'Intérieur qui nous prouvent mmh. que notre parti est en conformité. C'est que si je veux vous rappeler que à l'époque du ministre à, à, à ministre de l'Intérieur, l'ex ministre de l'Intérieur, Monsieur Asselo, mmh. euh, lorsque nos, nos fondateurs se sont rendus là-bas pour déposer les dossiers, mmh. en se conformant toujours à la loi. Et ils se sont rendus là-bas. Les secrétaires, les secrétaires en charge des partis politiques, ils ont dit non, votre dossier est complet. Mais mmh. regardez, nous avaient fait juste un petit. Euh, euh, Une remarque qu'ils nous avaient fait était celle de dire que non, il euh, y a déjà. Parce que la, le parti, le nom c'est Alliance pour le changement. Okay. Mais au niveau du sigle, c'était assez. Si vous mmh. regardez dans nos anciens statuts, c'est assez. Mmh. Et quand on s'est rendu là-bas, on a dit non. Euh, en se conformant à la loi, il n'y a, y a pas moyen qu'un qu parti politique puisse avoir euh, euh, que deux partis politiques puissent avoir le même nom, voire même le même sigle. Donc il y avait et déjà un parti politique un po existant avec les nom de AC, Alliance non, pour non, le Changement. Non, non, le nom c'était Action pour le Changement. Mmh, abréviation. A, abréviation okay. donc mmh, le sigle assez. était AC. Mmh. Maintenant, lorsqu'on s'est rendu là-bas, les secrétaires enfin, ont dit non, non, il existe déjà autre, mmh. un autre parti qui existe sous les sigles AC. Assez, voilà. Et c'est maintenant qu'on est encore euh, révoqué euh, l'autre rencontre avec des fondateurs ils se sont venus ils ont ils étaient en réunion pour dire non voilà voilà c'est pour cela que vous avez dit qu'on euh, euh, a ajouté les sigles assez H, voilà. H minus qu'il à la fin. Mm. C'était sous demande. C'est ce qu'on appelle l'addendum, Notre indendum qu'on a reçu après que les fondateurs puissent essayer un peu de réfléchir comment est-ce qu'on devrait ajouter H là. Mm. Et après c'est là, l'indendome là, on a déposé ça au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était mm. l'unique remarque que le ministère nous avait fait à l'époque. Donc il mm. n'y avait pas que l'AC n'avait pas rempli des critères. Mm. Monsieur Gilbert, laissez-moi vous rassurer que l'AC avait rempli les critères possibles pour mm. être pour fonctionner comme parti, parti politique partant même mm. de la loi euh, portant fonctionnement et organisation des partis politiques mm. vous allez voir que là c'est toujours en ordre parce que euh, selon la loi le jour où on a déposé les dossiers c'était depuis le 14 juin 2022, on a déposé les dossiers et c'était le jour où l'alliance la, pour le changement à la loi mm. et c'est donc selon la loi c'est devait être après le délai d'au moins 30 jours le ministre est à l'obligation de livrer un arrêté d'enregistrement um à notre parti politique. Mais malheureusement, c'est que nous sommes entrés mmh. de voir, euh, ça, ça nous a vraiment, c'est un peu de nous toucher, de voir que depuis lors, jusqu'à nos, mmh. jusqu nos jours, notre parti n'a pas euh, d'arrêté. Depuis lors, jusqu'à nos jours, notre parti n'a pas d'arrêté donc de fonctionner. Or, mmh. que, si vous voyez notre parti fonctionner, c'est dit à la loi pour fonctionnement fonctionner pour le parti politique. Parce que la loi dit que après les délais de 30 jours, si mmh. le ministre ne livre pas l'arrêté ministériel, mmh. le parti est considéré désormais comme exister. C'est mmh. pour cela que vous allez voir au niveau de la 11e rue nous avons notre siège national, mmh. au niveau des quatre fédérations de la ville province de Kinshasa, vous allez voir, nous avons plus de 50 fédérations où notre parti... À Kinshasa, nous avons mmh. quatre fédérations. Mmh. Dans l'ensemble le du pays, plus dans, de 50. Plus de 50 fédérations qui sont déjà installées, dont nous avons le siège par-ci, par-là, et notre formation politique est, est fonction de droit mmh. et il est uh, en légalité avec. Uh, avec la loi et c'est un peu ça. Mais, mais, mais l'actuel ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dit, dit n'avoir retrouvé aucun dossier de votre parti politique sur sa table. Euh, écoutez, je ne m'irai pas ici entrer en interaction avec un acteur politique. Je sais souvent euh, mmh. être dans le mensonge, dont il va venir ici. Parce que si. Oui, c'est un ministre, mais si vous êtes ministre, vous allez dire que vous n'avez pas trouvé de cause. Est-ce que vous ignorez la notion de la continuité de l'État La notion de la continuité de l'État porte sur. Euh, donc, mmh le jour où vous faites la remise et reprise, on va vous donner les dossiers. Mais comment est-ce que vous allez dire que les dossiers n'est pas sur la table Où est parti les dossiers mmh. au moins que vous ignorez la notion de l'État, pour une personne qui maîtrise très bien la, la notion de, la, de, de continuité de l'État, nous ne pouvons pas attendre ce genre de réponse pour autant que nous n'avons pas vu des dossiers. C'est mmh. un peu ça, nous, on est inquiet de voir que. Donc oh, l'Alliance pour le Changement est toujours victime de l'acharnement, victime mmh. d'intoxication. Donc oh, mmh. c'est un peu ça. Voilà. Hier dimanche, c'était la clôture en tout cas des dépôts de candidatures pour euh, les, 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 les élections à la députation nationale et provinciale. Alliance pour le Changement n'a pas aligné les candidats pour la simple raison que votre parti politique n'est pas repris dans la liste euh, électorale. Donc là, c'est une politique de la chaise vide. Pourquoi vous n'avez pas postulé comme indépendant Oh, monsieur Gilbert, c'est que vous devrez savoir ici que l'Alliance pour le Changement c'est un parti politique oh, mm. né de la rupture, un parti politique révolutionnaire. Mm. Donc oh, les, tout au début, lorsque notre leader a créé le parti politique Alliance pour le Changement, avec ensemble avec d'autres compatriotes, mm. il disait l'Alliance pour le Changement fera sans doute l'opposition face au régime. Tu sais qu'il dit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas partir se, se cacher derrière euh, quelques regroupements ou prendre comme indépendant, mm. tant que on doit affronter les combats qui nous attendent. Mais laissez-moi vous dire que euh, pour notre président national, l'honorable Jean-Marc qui que le futur candidat à président de la République, pour lui, il n'y aura pas de problème. Il va pousser comme candidat. À... Il va postuler. Euh au nom de son parti politique, ou bien en tant qu'indépendant, ou bien il va se rallier dans un parti politique. Il ne peut jamais se rallier. jamais se Donc tout le monde, en République démocratique du Congo, tout le monde votre est conseil du pas combat. reconnu. Mais effectivement, on va voir que l'honorable mm. Kabound peut postuler comme candidat à indépendant, mm. comme de l'Alliance pour le Changement. Et pourquoi vous savez qu'on peut dire que la mise à l'écart de l'Alliance pour le Changement... Mais vous vous que... Kabound, n'est-ce pas, à briguer un mandat présidentiel vous, vous, vous n'avez pas postulé à la députation nationale ni provinciale, la... mais Kabound peut postuler en tant qu'indépendant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, membre cadre euh... de l'Alliance pour le changement Écoutez ce que je vais vous dire la SNEP, la Commission nationale permanente de notre, de notre parti politique, mm. a de nos jours déjà des listes de candidats, des milliers mm. de candidats au niveau des élections législatives, mais nous sommes postulés de subir des injustices interminables de la part du ministère public de voir que du ministère de l'Intérieur, de mm. voir que euh, notre parti n'est pas toujours répertorié sur la liste des partis politiques, euh, des 910 partis politiques. Donc euh, aujourd'hui, nous, nous avons des candidats. Mm. Nous, nous avons des candidats, c'est juste que nous, nous avons besoin de l'arrêter pour déposer nos candidats. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi vous n'avez pas euh, postulé comme indépendant ou soit vous rallier dans, dans un regroupement politique mais vous dites tout à l'heure que Kaboun peut postuler comme indépendant. Il peut... Donc vous l'accompagnez justement. Je vais vous expliquer ceci. Mm. À ce qui concerne nos, de, de, de que nos, nous, nous, nos candidats aux élections législatives puissent se comme, comme des indépendants, mm. vous devez savoir l'Alliance pour le sommes c'est un parti né de la rupture, un parti mm. révolutionnaire. Nous ne pouvons pas partir se cacher derrière euh, un, de, des indépendants ou derrière les recoupements politiques. On doit affronter les combats de, sans, parce que nous nous sommes conformés à la loi. Sur base de quelle loi nous, nous allons partir Vous avez à quoi? un fait accompli euh, euh, à l'impossible, euh, nul n'est tenu. Bon, nous sommes, euh, nous sommes toujours. Euh, euh, nous, sommes, nous sommes prosternés de subir toujours mm. euh, ces genres de Donc, euh, avec l'honorable Jama Kabou Ndakabou, nous pensons toujours que dans les prochains jours, on va trouver une suite favorable. Bah, au, bah. Cas où, au cas où, c'est une hypothèse, supposons qu'il n'y a pas de suite favorable. Que compte faire Alliance pour le changement je, je reviens encore pour vous réaffirmer que l'Alliance pour le Changement, c'est un parti euh, mm. né de la rupture révolutionnaire. Mm. Mm. Au cas où, mm. parce que nous allons tirer des conséquences politiques, parce que nous sommes un parti de l'opposition, un parti né de la rupture, nous allons tirer des de le, de, de conséquences. Et les conséquences, là, lui, mm. ça serait au-dessus au, au, au de la tête de, 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 de l'actuel ministre de l'Intérieur, celui qui va porter... Ces conséquences, c'est parce qu'après avoir convoqué notre état-major euh, mm. de l'Alliance pour le Changement, dans les prochains jours, vous allez voir des activités, des manifestations, des mm. mécontentements pour prouver que nous ne sommes pas de, du tout d'accord de la gestion, de, de l'acharnement dont l'Alliance pour le Changement mm. est en train de faire face. Euh, donc, c'est un peu ça, M. Jules Bengonga. Donc, au cas où euh, votre parti n'est toujours pas repris dans la liste euh, électorale, vous allez euh, manifester. Nous allons tirer des conséquences politiques et surtout, nous sommes de l'opposition. Ah, pour vous pouvez aussi vous rallier dans un regroupement politique. Non, non, nous, pouvons, nous ne pouvons politique. jamais se rallier. Pourquoi se rallier Pourquoi pas Non, nous ne pouvons jamais Et se Pourquoi le... pas L'Alliance pour le changement est un parti euh, né de la rupture. C'est-à-dire que okay, il... l'Alliance pour le changement a l'obligation de faire l'opposition face permettez -moi au Permettez-moi de, 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 de vous interrompre. Donc, quand un parti politique est né de la révolution, il ne peut pas se rallier dans un regroupement politique. Mais pourquoi se rallier Pourquoi se rallier Pour quels fait? Pourquoi Pourquoi Parce que nous avons le Le but d'un parti, parti politique, politique plutôt, c'est de conquérir le pouvoir et à tous les niveaux. Mais vous, vous faites la politique de la chaise vide. Vous, vous. n'avez pas aligné des candidats donc, ralliez-vous dans un autre parti politique. Non, 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 non. Ça, ce sont tes, tes pensées. Et nous, mm. nous, nous ne pouvons jamais accepter d'englober de, 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 vos, vos, vos pensées à vous. L'Alliance pour le changement a, a sa ligne euh, éditoriale, sa ligne qu'il doit suivre. Mm. L'Alliance pour le changement pense, euh, ne pense pas s'allier actuellement à un regroupement, à l'autre parti politique. L'Alliance pour mm. le changement compte parce que l'Alliance pour le changement a respecté les procédures, a respecté le critère pour être reconnu comme fort mention politique. Et la, la preuve étant que nous sommes là en train d'exister à la deuxième rive nous avons des fédérations et nous, on est en train de, 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 de fonctionner jour et nuit. Mais comment est-ce que lorsqu'il faut déposer les listes, vous allez, vous, vous allez juger bon de mettre à l'écart l'Alliance pour le Changement. Or que le ministre, le, le secrétariat euh, du ministre de l'Intérieur, en charge des partis politiques, lui-même, il lui lui, lui reconnaît d que l'Alliance pour le Changement est en ordre avec tout. Mais pourquoi ne pas réper répondre à les notes de l'Alliance pour le Changement? c'est la liste. C'est la, la prouve en suffisance que le régime en place a la paix au ventre. Le régime en place a la peur d'un de, de, adversaire taille qui est l'honorable Jamar Kabunda Kaboun. A la peur au ventre de, de voir donc des de candidats aux élections législatives qui sont reconnus par les peuples, mm. euh, qui sont aimés. Donc vous, vous voyez ce qu'on est en train de faire face parce qu'ils savent très bien qu'avec si et seulement si l'Alliance pour le changement participe mm. aux élections, c'est et les partis malades qui vont tomber parce qu'on a vu le parti malade naître il n'y a pas même deux mois il y a le jour 910 bas, 10 partis politiques 9 qui sont, 10, sont retenus il y a 910 partis politiques mmh. sur les 910 partis politiques vous pouvez vous imaginer qu'on a que 5 à 6 partis politiques de l'opposition et les 904, 905, là, sont des lignes sacrées. Dites-moi un peu. Aujourd'hui, nous allons voir les partis malades qui sont en train de voir le jour. Le jour où on part déposer les listes, il y a même des partis qui se sont créés deux jours avant. Mais mmh. conformément à la loi, euh, les, de sorte pour qu'un parti politique puisse prendre part aux échéances éle 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 électorales, il faut qu'il puisse exister depuis plus d'une année. Mais il y a un parti qui peut exister il y a deux semaines et il est enregistré, il a l'arrêté. Vous savez des Donc, preuves euh, de ce que vous dites oui, quoi, oui, parti on, politique, a, là? on a des partis, on a beaucoup de partis politiques, on a des, 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 des partis qui, qui sont là au départ. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Okay, Un parti politique euh, n'est pas fondé sur euh, euh, le nom d'une personne ou sur l'idéologie d'une personne. Mmh. Un parti politique est fondé d'abord sur base de, de l'idéologie. Du parti. De, 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 du nom d'un individu. individu. Aujourd'hui, vous allez voir le, le parti qui, qui porte le nom d'un de, de individu, de, qui, qui sont là toujours pour soutenir y a un la parti réélection. ce ré... individu ici dans euh, notre pays mais vous avez des partis qui, qui sont des, des fascistes des tséquedistes le il n'y a, a pas de partis qui il y a des partis il y a des partis tséquedistes oh, vous pouvez vous renseigner il y a plusieurs partis non parties. dites nous <laughs> il y a plusieurs partis vous pouvez vous renseigner il y a des partis fondés mm. sur base donc de, donc de pour la réélection du chef de l'état vous pouvez vous imaginer quel genre de formation politique il faut qui faire la différence entre tséquedie tu sais et tséquedisme tu sais mais si ça existe bien sûr il y a mm. la pensée l'individu non non Diz-te o que diz On dit c'est que C'est donc ça vient des des en fait pas doctrine le tu est conservé toujours par jusqu'à nos jours par un seul individu quel l'honorable Jama Kamouja l'héritier idéologique du sens délimité c'est lui qui incarne la vision du sens délimité donc pourquoi il n'a pas voulu pérenniser la vision mais lorsque la vision eu lorsque la vision leguée par le sens délimité ne plus encore conservée Qu'est-ce qu'il faut faire Il doit s'éloigner pour conserver ça. Parce qu'on mmh. dit que. En dehors du euh, système. Oui, en dehors du système, pour conserver cela. Parce qu'il ne peut pas se mettre là, parmi les moutons de panneaux, pour essayer un peu de participer à des, des idées malettes. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des parties mallettes qui sont en train de voir des jours. Mmh. Alors que l'Alliance pour le changement existe il y a plus d'une année, il, a, il souffre toujours de voir. Euh, euh, de, de, donc, d'avoir de, 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 son arrêté ministériel, ce qui nous complique vraiment. Donc, oh, nous sommes prosternés de subir toujours des injustices interminables de la part du ministère de l'Intérieur. Or, que nul mm. n'est au-dessus de la loi, on doit respecter la loi. L'Alliance pour le Changement a respecté la loi. Quant au ministère de l'Intérieur de respecter mm. la loi, oh, l'Alliance pour le Changement devrait figurer sur la liste des partis politiques remis à la CENI. Donc, oh, c'est un peu ça. Voilà, mon agenda à cadre des Alliances pour le Changement. Mesdames et Messieurs, nous sommes en train de parler euh, de ces fameux feuilletons euh, de partis politiques retenus par le ministère de l'Intérieur, transmis, n'est-ce pas, à la CENI. Et ils sont au nombre de 910 partis politiques retenus pour l'instant. Sans alliance pour les changements. Les raisons évoquées, je ne sais pas si elles sont valables ou pas, c'est à vous de juger. Le deuxième sujet de l'émission, Ange Ndaya, il s'agit de l'arrestation de Jean-Marc Kabund près d'une année déjà, depuis qu'il est jeté dans la prison euh, de Marcala. C'est quoi la suite Est-ce qu'après la libération, n'est-ce pas, de Frank Dongo et euh, des Fortuna Bisselélé, peut-on espérer à la libération de. Jean Marc Kabunda? Oui, oui, Monsieur Julien Gonga. C'est qu'on peut dire, c'est que le peuple congolais peut retenir pour l'instant que nous attendons la libération de l'honorable Jean Marc Kabunda Kabunda. Avec, nous sommes impatients de lui voir, parce que l'honorable Jean Marc n'est pas un prisonnier C'est que vous pouvez n'est pas, ni, il est ni emprisonné mmh. ni un détenu. Il, il est, est un, un otage politique privé du régime en place. Donc oh, c'est un peu ça. Le, le président Jean Marc Kabunda Kabound n'a pas volé, n'a pas détourné n'a mm. pas tué, il n'a rien fait, il a juste dû des vérités. aujourd'hui, mm. il est en train de subir, il est en train de, euh, il est en train de passer son temps près d'une année déjà à la prison centrale de Makala. Donc, il est, il est innocent. Et nous voulons, nous allons voir que du jour au jour, les gens donc qui sont en train de trahir le Congo, ils mm. sont libres. Mais l'honorable jama Kabound, l'héritier de l'objet de délimitée, est en train de subir euh, la et victime de l'acharnement politique. Mm. Donc euh, l'Alliance pour le changement déplore ce genre de comportement donc, au venant de ce régime ici. Mais au moins vous espérez que euh, la, le même appareil judiciaire que vous condamnez ici sur ce plateau peut libérer Jean-Marc Kabound. Nous exigeons la libération sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kaboud, mais c'est Gilbert Gunga. Qui va les libérer euh, C'est la justice. La même la... justice que vous dénoncez matin, soir. Là, nous savons très bien que la justice est mmh. instrumentalisée et la justice est incapable de démontrer ce est instrumentalisée Libérer Jean-Marc Abond. C'est contradictoire. Nous, nous ne cessons jamais de rappeler la justice, de revenir mm. à ses propres valeurs. Mm. Que l'État mm. puisse prendre ses responsabilités. Parce que nous allons voir qu'aujourd'hui, euh, euh, la justice est là, les, les instances judiciaires sont instrumentalisées, car souvent nous disons que la justice prétorienne caractérise désormais notre système judiciaire. Mm. Euh, Dites-moi un peu comment est-ce que vous voulez qu'on ait une bonne justice parce que c'est qu'on dit que la justice élève une nation et mmh. l'honorable Jama Kabondo il totalise une année dites-moi sans procès sans rien du tout il est toujours jeté là-bas je pense qu'il était jeté dans la prison des Makala au mois d'août de oh. l'année passée euh, ouais donc... ouais une année une année non, déjà non, depuis ça le ça fera ou... une année euh, au mois d'août donc, donc dans, dans moins d'une semaine mmh. c'est moins d'une année dans, donc une année d'une année c'est une année, ce une année c'est au moins doute, non? Dans, donc dans une mais, est, ça oui, mais on n'est pas encore arrivé. Mais <laughs> c'est qu'on qu peut retenir que nous mm. exigeons la libération sans condition de notre président national, mm. parce que nous voulons le voir libre. Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi d'abord on les reproche? Mais l'honorable, on a, on a eu déjà le dénoncé il y a plusieurs fois. Mm. Euh, ce sont juste des pièces montées du régime mm. en place, de sorte qu'il puisse écarter de plusieurs membres de la liste, mais qu'il puisse retenir. Personne n'a le droit d'écarter l'honorable Jama Kaboun du processus électoral. Il va participer, il va, il va combattre contre la mauvaise gestion et il sera le futur candidat, le futur président de la République aux, aux prochaines élections. Donc c'est ça vraiment ce que nous sommes en train de Vous dites que euh, Kaboun va participer... Euh... À l'élection présidentielle prévue euh, théoriquement le 20 décembre 2023, okay. alors que l'opposition, bon, d'autres partis de l'opposition, dénoncent les processus électoral, entre guillemets, chaotiques, n'est-ce pas um. Vous, de Alliance pour le changement, quel est votre point de vue par rapport au Processus électoral actuel euh, face cours. au processus électoral, l'alliance la, pour le changement. On a fait plusieurs euh, points de presse, partant d'abord du point de presse du 18 juillet mm -hmm. 2022 que l'honorable Jamal Kabu lui-même avait animé, celle mm -hmm. que notre porte-parole Juscelin Mange avait animé le 31 mars 2023 et celle que notre SG, le secrétaire Béli Motono, venait d'animer d'ici là. Donc, euh, mm -hmm. ici, c'est qu'on peut, depuis lors, le président Jamal Kabu disait que. Euh, les, les régimes en place a assez décidé de mettre en péril euh, de mettre en péril les processus électoraux. Donc, euh, le processus électoral donc dans le glissement donc de mettre en péril la sincérité et donc euh, la transparence des, des élections et aujourd'hui les régimes en place sont en train de préparer les fraudes au niveau des élections donc euh, donc on sait que on peut retenir que euh, nous exigeons qu'il ait d'abord l'audit du fichier que les fichiers doivent être d'abord parce que le régime en place a procédé à l'enrôlement de minéraux. Nous avons vu des individus qui détenaient les machines dans leur maison. On a vu des individus qui détenaient euh, euh, qui... dont nous avons vu une personne prouver s'enrôler plus de dix fois. Mmh. Tout ça Mais pour préparer des glissements, glissements. Mais c'est qu'on sait que la transparence puisse régner. Nous voulons la transparence au niveau du fichier. Que faire tra... pour obtenir la transparence en question Nous, 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 nous la appelons la CENI. La CENI, c'est comme la... Mmh. C'est... doit jouer le rôle de, de la la CENI. Mm. La CENI ne pourrait pas avoir... Euh, euh, nous ne pouvons pas... Nous ne voulons pas voir au sein de la euh, CENI le, donc, euh, donc, euh, la justice de deux poids, de mesures, celle mm. qui va s'époncher aux côtés de la majorité pour rejeter l'opposition. La CENI est là, au milieu du villages, il mm. va attendre l'opposition et la majorité, de sorte qu'il puisse organiser euh, les élections évité, dans les délais hein, constitutionnels. leader de l'opposition. Adolphe Mouzito, Martin Fayouli et consorts ont défilé à la CENI là-bas. Ils ont défilé à la CENI, mais... L'Alliance pour le Changement n'était pas invitée. Pourquoi Avec mmh. comme cause, on ne figurait on dire pas dire sur parce la que liste. Mais ne représente rien. Et que vous... L'Alliance pour le Changement ne représente rien par rapport mmh. à quoi, M. Non, parce pour... que Par rapport à quoi parce, parce que l'Alliance pour le Changement est un retenu. En... Le, les... le fait de ne les... pas sont... être retenu, cela mmh. fait l'objet que nous ne sommes, nous ne valons rien. L'Alliance mmh. pour le Changement, laissez-moi vous dire que l'Alliance pour le Changement, c'est un parti qui fonctionne des droits. Et aujourd'hui, on va voir quelques leaders de l'opinion. De la majorité, il faut dire que l'opposition est vraiment faible. Mm. Si on essaie un peu de voir l'agitation, on voit, on voit l'acharnement qu'on est en quête qu'à le régime en place vis-à-vis -vis de l'opposition, vis-à-vis de l'Alliance pour le changement, on peut constater que c'est plutôt les pouvoirs qui sont faibles. Vraiment et faible. Et non l'opposition. Non, non, ce n'est pas l'opposition. L'Alliance pour le changement montre, parce que le régime en place a de l'Alliance pour le changement. Le régime en place a peur d'un le candidat d'État qui est l'honorable Jama Kaboun Kabun à la magistrature suprême. Vous pouvez vous, vous imaginer de la peur. Donc nous disons que le régime en place a la peur au ventre. La peur au ventre, donc, de CMP d'un qui l'honorable Jama Kaboun mmh. et son parti. Or qu'ils savent très bien que l'honorable Jama Kaboun, c'est un ça détail. L'honorable Jama Kaboun. Euh, Kabounda Kabound, c'est le futur président de la République et il sait très très bien les coulisses du pouvoir. Donc, il oh, n'y a rien à craindre, c'est l'homme qui a peur. L'honorable mmh. Jama Kabounda Kabound sera bel et bien le futur candidat de la président de la République et il sera. Voilà. Merci, merci pour cette conviction politique que vous avez. Hein. Euh, ouais. On verra en tout cas, la politique, si l'art du possible. Tout peut basculer dans un sens comme dans un autre. L'actualité en Jondaya, c'est aussi euh, la marche euh, annoncée par Martin Fayoulou pour le samedi prochain, je crois, que ce sera le 29 à Kinshasa. Pour réclamer l'audit du fichier électoral, mais aussi réclamer de manière générale la transparence des élections, vous des alliances pour le changement, parti politique de l'opposition, vous allez prendre part à cette manifestation ou non? Oh, monsieur Gilbert, ce que vous pouvez retenir c'est que l'Alliance pour le changement a ce calendrier. Il est tenté de s'y préparer pour faire face à d'autres éventualités. Mm. Mais euh, à ce qui concerne la marche proclamée par d'autres ca collègues, camarades de l'opposition, nous ne sommes pas contre. Mm. Nous, 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 nous les encourageons donc de, de se soutenir mais en, en main, de sorte qu'ils puissent prendre part à la marche. Nous, Alliance mm. pour le changement, nous ne sommes pas intéressés. Mm. Jusqu'à présent. Vous avez votre Mais propre nous, calendrier d'activité euh, Oui, notre propre calendrier de l'activité. Comment il se présente ces calendrier là Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir Dans les jours à venir, on avait déjà convoqué notre euh, état-major. Mm. Hier dimanche, on a vu l'étude de notre porte-parole, Juscelin Lemongi, mm. l'étude portée sur l'organisation d'une marche pacifique qui va s'annoncer d'une mar marche pacifique. Pourquoi euh, Dans quelques jours, vous aurez déjà là, la date. Okay. Parce mm. que le, le porte-parole, la bouche autorisée de l'honorable, Jean-Marc Kaboundakabound, avait déjà annoncé ça hier sur Twitter. Mmh. Donc oh, l'honorable Kaboun, de près année, pas de suite et la mise à l'écart de la liste de, oh, de l'Alliance pour le Changement de la liste des partis politiques. On va essayer un peu de manifester. Notre état-major nous serons tous oh, dans les rue pour exiger que l'Alliance pour le Changement puisse bénéficier de ses droits et exiger la libération sans condition de notre président de la République. Voilà. Votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés, euh, nous avons épuisé les minutes euh, prévues pour cette émission. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur euh, Oui, oui, euh, ça oui. ne pourrait jamais manquer. Euh, C'est qu'on peut parler de la part euh, de l'Alliance pour le changement. L'Alliance pour le changement appelle euh, l'actuel ministre de l'Intérieur au respect de la loi et au respect de la notion de continuité de l'État. De, 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 de Donc, euh, nous exigeons au ministre, au ministre de l'Intérieur actuel de respecter la loi, de, ré, de remettre l'Alliance pour le changement dans ses droits. Et donc, euh, c'est ce qu'on est en train d'attendre. Et l'Alliance pour le changement existe. La libération sa condition de notre président national, qui est l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui est victime de l'acharnement politique et, et qui est toujours euh, euh, retenu euh, au sein de la prison centrale de Maca, à la preuve d'une année déjà. Donc, il n'y a pas de suite de son dossier. Et donc, euh, nous savons très bien que les régions actuel à la paix au ventre et nous exigeons la libération sans condition, sans réclamation de notre président de la de notre futur candidat président de la République l'honorable Jamar Kabunda Kabunda, les challenger intraitables. Voilà, ça sera votre mot de la fin. Merci d'être venu. Merci beaucoup. les voilà. plaisir est partagés partagé. Merci. <laughs> Merci aussi à vous, chers auditeurs de iWeb Radio, de nous avoir suivis nombreux dans vos maisons. Le prochain rendez-vous, c'est demain avec la même dose de plaisir. Au revoir.